de manière à anticiper un peu la gestion de l'été prochain, de l'été 2023, et qui pourrait être aussi difficile en matière d'alimentation en eau potable que l'été précédent. On a, de manière assez automatique, testé un système local de sécurisation en eau, de la même façon qu'on fait des exercices incendies dans les bâtiments pour vérifier les conditions de sécurisation d'évacuation. Et bien nous, on vérifie en conditions réelles, en simulant une défaillance d'usine, que les systèmes automatiques de sécurisation et de transfert d'eau potable s'enclenchent bien. Ils atteignent bien les performances, les volumes et les objectifs qu'on avait fixés. Alors, les interconnexions sont indispensables en cas de problème de pollution accidentelle sur un des points de prélèvement. Les prélèvements d'eau des usines qui sont au nombre de 7 sur l'interconnexion qui va de Mortain à Quêtreville-sur-Sienne sont toutes dans un prélèvement d'eau de surface et il peut y avoir un problème de pollution accidentelle. Alors ça peut être d'origine agricole, mais ça peut être aussi d'origine industrielle ou domestique. Et dans ce cas-là, on peut se retrouver avec une usine isolée qui ne peut plus produire d'eau potable. Et à partir de ce moment-là, on peut sécuriser par le maillage d'interconnexions et d'usines qu'on trouve sur le linéaire qui atteint à peu près une petite centaine de kilomètres. Alors, une interconnexion de sécurisation d'eau potable, c'est un ensemble d'équipements, d'ouvrages, de stockage, donc des réservoirs d'eau potable, des équipements de canalisation, de pompage, et qui vont permettre, avec des systèmes de commande et d'automatisme, d'assurer des transferts d'eau importants, parfois en totalité, d'un secteur à un autre, pour compenser la défaillance d'une installation de production locale. Voilà, donc on a donc des systèmes automatisés qui permettent d'assurer un secours en cas de défaillance d'une production locale via des investissements spécifiques dédiés qui ne sont la plupart du temps pas connectés à la distribution locale. À bientôt sur tevie.tv.